Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le cinquième épisode de Fizzo Patrick. Et pour ce cinquième épisode, on va continuer sur Applied Energistic. Je vérifie que tout va bien. Hop, on appuie ici. On va partir sur donc Applied Energistic, essayer de craft de gérer l'automatisation de certains crafts compliqués. Bon, vous avez vu que en live on a avancé sur pas mal de trucs. J'ai fait un chargeur ici pour info. Alors comment on fait? On met une interface derrière, un import bus sur le côté. L'import bus apparemment récolte tout et il ne prend que quand c'est fini, quand le traitement est fini. Ici il y a le halo smelter et le swag mine. Ici vous avez le métallurgique infuseur et un autre métallurgique infuseur pour info. Pour que le ME fasse le craft automatiquement, il faut mettre une crafting carte dedans. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour la suite, on passe sur du lourd. On va crafter les seeds. Alors, les seeds, c'est pour moi un des trucs les plus compliqués à craft. Il y en a deux types. Donc, celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, non. Dust. Alors, celle-là, je l'ai. Et donc, on va crafter. Voilà. Donc, celle-ci. Et celle-ci. Alors, particularité, il faut qu'elle soit pendant un certain nombre de temps dans de l'eau. Et ça ne marchera pas. Si ça peut marcher, ça peut prendre énormément de temps si on le fait sans eau, mais moi j'utilise un accélérateur et l'accélérateur permet d'accélérer pas mal le mouvement en moins de 5 minutes, vous les avez. Donc ce qu'on fait, on va récupérer les accélérateurs parce qu'on va les déplacer. Ça c'est la première chose à savoir. On va prendre tout ça. Ops. En espérant que j'en ai pas besoin à nouveau, sinon de toute façon je les aurais reposés. De l'autre côté, ok, parfait, je tac. Viens mon lapin. Voilà, on va toujours poster. Mettre ça là. Alors, je vais utiliser pour ça une transfer node. Tout simplement parce que elle va me permettre de mieux gérer les items. Voilà, donc transfer node. On a également des transfer pipes. J'en ai en stock, mais en fait j'en ai plein en stock. Transfer pipe, j'en ai. On va également avoir un item filter. Je vous avoue que ça c'est des trucs que j'ai un peu préparé sur le côté parce que sinon c'était un peu trop galère. Wow, voilà, tiens, c'est bon, il y en a assez. Un stack. Ok, alors comment je fais ça? Ok, alors comment je fais ça? Ok. Stack et stack 2 et pour finir un world interaction, c'est parfait. J'ai plus qu'à craft 2 pickaxes et j'en ai 2. Très bien, comment ça va marcher? Bon, vous voyez que ici j'ai ma zone où mes trucs vont arriver. On va simplement mettre les câbles. Alors, stock. On va passer là. Là. Ici. On va poser notre transfert node. Pour ça, je vais passer par ici, en fait. Tout simplement pour pouvoir passer en dessous. On va... là que ça devient compliqué, le poser comme ça, casser uniquement ceci, uniquement cela, c'est très bien, remettre mes accélérateurs, hops, placer une ME interface ici. Alors je vais la placer, je vais la mettre en petit, vous comprendrez pourquoi. C'est parfait. On va passer le câble là. Là. Et maintenant, il va remonter pour aller chercher
Celui-là. Ça marche parfaitement. Ça, c'est top. Alors, vu qu'on a besoin d'avoir des éléments, on va tout de suite faire ça et ça. Ça nous permettra de savoir sur quoi on s'est basé. Deuxième chose, celui-ci. Hop, je vais chercher de la stone parce que la stone c'est plus joli. Tout simplement. Alors je vous explique, ne vous en faites pas. C'est au programme. C'est juste que là, j'essaye de tout mettre bien en place. Avant de tout vous expliquer en détail. Alors peut-être que ce serait mieux que je le mette là en fait. On va le mettre là. Assez compliqué à faire, c'est parfait, ça se fait. Hop, lui également de l'eau. Et également une interface ici. Ça, c'est pour les autres. Bon, petite explication. Vous savez qu'il y a également les Fluix qui demandent de passer dans de l'eau, mais eux n'ont pas besoin de rester dans de l'eau longtemps. Alors, on va tester. Il faut un redstone, un quartz et un chargette. Bien sûr, je n'ai plus de chargette. On va attendre 2 secondes que ça se fasse. Hop, voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Donc. Vas-y. Logiquement, ça m'en en fait deux. Hein. Oui, c'est bien ce que j'avais en mémoire. Donc, voyons un peu dans mon blank pattern. C'est un process. Je vais en mettre deux. Donc, un redstone, un quartz et un chargé. Vous voyez qu'on reçoit des tweets. Voilà. Je vais en même temps en proposer qu'il en crafte une dizaine. Ce sera plus facile pour les tests. Voici comment on fait du Fluix cristal, tout simplement. On va poser ça là. Ici, on va le relier au système. Et vous allez me dire, oui, mais Tado, comment est-ce que mon truc va arriver là? Eh bien, je vais utiliser ceci qui va pousser l'item dedans. Je vais dire à mon transfert node, oui mais mon coco, tu vas ramasser des items, mais tu vas ne ramasser que des flux. Ok, on est d'accord. On va également lui dire, bah, tu interagis avec le reste. Je ne sais pas trop court, c'est quoi, ça doit être un pour prendre des stacks. Et tu fais ça. Voilà, tu fais tout bien. T'es gentil, t'es mignon et tu fais pas le con. On va le transfert node, stock et parce que je suis un peu un feignant, ce qu'on va faire juste c'est à peu près mon mot favori pour le moment, Ender chest, diamant, stock. C'est parti. Voilà. Alors, lui, on va également lui dira plus tard de faire ce qu'il faut. Donc, on va faire un petit test. Alors, avant tout, je vais d'abord mettre ça derrière et on va voir ce que ça donne. Si je demande à mon coco, parce que là, il se fait quoi, tiens? Conveyor belt. D'accord. Si je lui demande de faire du flux. J'en ai en stock, donc on va les virer. Et on va lui juste lui en demander un. On court là-bas pour voir ce qui se passe. Coco? Coco? C'est pas dans le bon? Ah non. E, c'est dans le bon, d'accord. U, c'est les purs. D'accord, on ne l'avait pas vu.
des cocos. Comment on fait dans ce cas-là? Alors, je vais mettre ce truc-là pour vérifier mes crafts. Ce sera peut-être mieux. Afin d'être sûr de ce que je fais. On va tester, dans un premier temps, on va le tester à la mano. Redstone. Quartz. Parce que oui, le chargette, il est bien passé quelque part. Hein. Je vais te demander d'en recraft 10. Donc si je le lance comme ça, il se passe quoi? Hein? Deux. Ok. Donc le flux est bien là. Alors, est-ce quoi? J'ai deux flux cristaux qui sont apparus par hasard ici. Ah oui, voilà, tout simplement. Ils sont. Ça a marché. Vous avez vu que ça a marché. Ça a été plus vite que ce que je ne pensais. Bon, maintenant pour les purs. Les purs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord crafter les seeds. Donc, on va crafter ces seeds-là. Alors, craft et ces seeds-là. Voilà. Alors, eux, on les met dans mon molecular assembleur. Vous voyez que j'ai fait pas mal de crafts différents. Donc, ce seed-là, là, on le prend. Et ça va en faire deux, ça. Hein. Et également ceci de là, je le prends. Donc, voilà ce que je fais ça et ça. Voilà. Et donc, je fais ça et ceci. Voilà. Boum. Donc. Lui également, je lui mets tout ça ici. Je prends ma stone. Je ferme bien au maximum le bordel. Parce que je tiens pas du tout à ce que ça ne marche, fonctionne pas comme j'ai envie. Voilà. Et la particularité, c'est qu'il faut que j'aille rechercher des purs. La particularité, donc pur. Stock. Stock. C'est que dans l'item. Ici, on va lui dire, tu ne me prends que ça. Parce que ça m'intéresse pas à ce qu'il prenne les intermédiaires. S'il prend les intermédiaires, ben, tout le travail doit se recommencer. Donc, c'est pas intéressant. Hop, alors, ici, ici, ici. On va donc lui demander de faire son travail. Hop, alors. Est-ce que tu pourrais me crafter un pur comme ça? Et. Un pur comme ça. Hop. Stock. On va voir ici ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est encore en train de travailler. Donc, on va le laisser travailler et on va regarder un peu. Vous voyez que j'ai tendu un câble ici pour être sûr parce que ça devenait un peu compliqué de gérer toutes les différentes sorties, sachant qu'en plus ben, il y a tout ça à faire et tout ça, ce n'est pas une mince affaire non plus. On va s'y attaquer parce que autant que ça soit un épisode bien indigeste, bien complet quoi, hein, tant qu'à faire, autant tout regrouper sur le même épisode et rendre le truc bien bien chaud quoi. Directement d'entrée, hop, 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 on peut balancer ça dedans, on peut également balancer ça dedans, je balance ceci, et on va commencer par récolter tout ça. Alors, hops, hops, stock, et stock, voici le bordel, alors ça on retire. C'est très bien. Bon, on en a 4 qui vont se faire avec des interfaces.
vous savez quoi, on va essayer de voir si on peut pas par hasard les mettre comme ça. Ouais, en fait il y en a que 3, donc on va essayer même de faire la pile. 3 avec des interfaces et le reste on va se faire à la mano. On va se faire la pile comme ça. Alors, pour info, ça va sûrement changer. Hein. Il va falloir que j'arrive à passer mon câble un peu plus par là et rentrer ça dans le mur, histoire que ça soit pas complètement moche. Ces deux Ender Chests là vont sûrement se planquer quelque part. Ce sera plus pratique. Hop. Voilà. Là, bon, regardons un peu mieux. Est-ce que ici, ça a l'air d'être fait? Regardons. Vous voyez qu'ils sont bien faits. Hop, pour couronner le tout, on met un under chest. Et on va dire que ça, c'est automatisé. Par sécurité, pour le live de demain, je vais simplement, enfin, le live du jour pour vous, je vais simplement mettre. Voilà, voilà. Bon, partie 1, ok. Alors, c'est parti pour la suite. C'est parti pour le show. Voilà. Tout le monde est beau, quoique ça reste à prouver. Alors, hop. Vous voyez que j'ai encore du boulot parce que, par exemple, les fluxides, ça devrait être automatisé depuis longtemps. Ça l'est pas encore. Vous allez me dire, ça c'est encore ce qu'il y a de moins compliqué à faire. Je vais vous dire, effectivement, je pourrais me bouger un peu le cul. Oh merde. Mince. Et mince. Attends, si je peux faire peut-être ça rapidos. Essayer de trouver des câbles. Je sais pas pourquoi je vais toujours mettre un V sur. Hop, on va prendre redstone. Ouais. On va voir si on peut pas mettre la presse silicone. Hop. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une courte ellipse. Le temps que j'arrive à finir ceci. Et puis, on se retrouve juste après. A tout de suite. Bien, bon, on se retrouve pour la suite. J'ai quand même relancé un tout petit peu le chrono, même si... il y a une ou deux minutes que j'ai oublié de retirer. Hop, voilà un peu. Là, on a quelque chose de plus ou moins potable. On va tenter de voir si on peut faire ce qu'on veut avec ça. Hop, alors, hop, hop. Mais il va m'en manquer, hein. Il va m'en manquer. Bon. Regardons un peu ça. On va tout de suite casser ici parce que ça va devoir venir d'autre part étant donné que je vais rajouter plusieurs interfaces. 1, 2, 3, 4, hop, on s'en fout. Donc, voyons un peu, la silicone presse justement c'est la seule qui ne doit pas être utilisée. Là en l'occurrence, et maintenant on va craft des import bus. Ce que je n'ai pas en stock. Bien sûr, je n'ai plus de petits trucs comme ça. Ça va être juste. Hein. Voilà. Bon. Donc, le câble va partir de là. Donc, il faut que je me fasse un smart cable. Qui est encore assez facile à faire. Tant mieux. Sur lequel on va rajouter ceci, ceci, ceci. Voilà. Alors, 2, 3, le petit coin. Il me manque des câbles. Donc, craftons des... Ouais, si tu peux éviter d'utiliser des purs. Flux.
Bon, que en fait les purs sont pas si compliqués à faire, donc peut-être que ça serait mieux d'utiliser des purs justement. C'est une bonne question là-dessus. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Hop, bon, hop. Voilà la meilleure façon de gérer cette partie-là. Alors, on va essayer de voir si ça marche bel et bien. Pour ce faire, il me faut du gold, du pur machin et du diamant. Deux. Ce sera plus facile pour la suite après. J'aurai plus qu'à mettre le truc en place. Bon, donc, vu que je retiens jamais, je tape à pouf. Celui du dessus. Celui-là, c'est celui du dessus. D'accord. Et en plus, il le prend dans le système directement. C'est très, trop efficace. Alors, ce qu'on va faire pour ça, d'accord, c'est foutu. C'est pas grave, tant pis. Tant pis, heureusement, là de toute façon je l'avais en stock. Alors, blank pattern, très bien que tu m'en craftes 5. Donc, celui du dessus, on peut lui mettre ça. Ça ira tout seul. On peut également voir pour le deuxième. Calculation processor qui ne marche pas. Donc c'est pas là. Alors pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Même si j'ai bien une petite idée. Mais pourquoi celui-là marcherait alors? Parce qu'il a de l'énergie en direct du dessus. Et donc je suppose que si maintenant je fais ça, il marche toujours. Calculation press. Et lui, il marche ou pas? Alors, donc ce que je vais faire tout simplement, c'est retirer ces câbles-là, les déplacer. Ici, mettre où est-ce qu'elle est mon interface? Mettre l'interface là parce que ouais, c'est bien Tado. Mettre l'interface là parce que j'en aurais besoin et voir si quand je tire un câble simplement. Simplement ici. Ça marche mieux. Oui, ça marche beaucoup mieux. Hop. Alors. Calculation. La calculation machin. Oups. C'est ceci. Pof. Et pour un diamant, vous avez ceci. C'est un peu technique, hein. Je sais pas si vous le voyez venir, le truc technique, mais moi, en tout cas, je le vois bien venir, un peu trop même. Ça va. Alors. Suivant. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Ok. Lequel est-ce qu'on fait? On va commencer par le central parce que ce sera plus sympa au début, au milieu. Donc, on va avoir besoin de ceci. Ah merde, j'ai besoin de silicone quand même. Moi, à un moment ou l'autre, il va me falloir du silicone. Oups. Oups. Silicone press. Ça a l'air de marcher.
Je suis un peu désolé que ça soit si compliqué que ça et si long. J'avais pas prévu que ça soit si long. Mais à un moment, malheureusement, le principe, c'est que ben, il faut que ça soit fait. Coûte que coûte. On va essayer quand même de faire moins d'une demi-heure. Et pour ce faire, on va y gazer un peu. Alors, export bus, il m'en faut des export bus. Et il va me falloir là que j'adopte une tactique un peu différente pour cela. Alors, deux. Ok, c'est parfait. On va faire comme si c'était bon. Est-ce que ça, par hasard, ça veut bien? Oui, ça veut bien, c'est parfait. Un export bus aussi en dessous. Alors, comment ça va marcher? Tout simplement, ici, celui-là, on va lui dire exporte-moi de la redstone. Ici, je lui dis exporte-moi de la redstone. Il ne marche bien sûr pas. Si, exporte-moi de la redstone. Ici, on va lui dire exporte-moi ceci. On pourrait également lui dire fais-le que si on te demande de le craft. On va peut-être voir si on peut pas faire ça aussi. Hop, on va mettre ceci au cul. Vous le voyez venir. Hop, je vais faire passer ça comme ça parce que je suis pas sûr que j'aurai de quoi. Hop, non, en fait, c'est pas là que je vais faire passer ça. Ici, il va falloir que je mette un apport bus. Donc, comme ça. Comme ça. Stock. Un petit import bus. Stack. Là, comme ça. Donc, toi, on te dit, vas-y, mon coco, balance-moi des trucs en silicone. C'est bon. Et maintenant, on va prendre les blancs patterns. Et on va prendre ceci et ceci. Pour avoir cela, il faut cela. Donc, est-ce que ça va marcher? Logiquement, si tout va bien, c'est censé marcher, à moins que je doive mettre l'interface au-dessus. Donc, on va tenter de le faire. Et problème. Problème, problème, problème. L'interface a pas l'air connectée au bordel. Waouh! C'est full déjà. C'est déjà full. Attends, comment je vais faire moi ça? Il faut que j'arrive à dissocier donc ce câblage là. On va essayer de les mettre sur d'autres trucs. Alors, hop. Comment je vais tirer un autre câble dans le machin? Je peux tenter de tirer un câble là. Alors, surtout, ce qu'il faut, c'est que ici, cela se touche pas. Là, c'est bon. Ça ne se touche pas, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si ça va li se lier via la machine. Donc, au cas où, il faudrait que je décale tout d'un cran. On va vite voir, de toute façon. Non, Tado, on se concentre 2 secondes. Hop. Est-ce que j'ai encore des smarts? Non. Alors, des cables ici. Ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. Alors, je peux juste en mettre un là. Et puis après, hop, hop, hop. J'ai besoin de Flux. C'est la dèche, chez la dèche de chez la dèche. Flux. Tout va bien, tout va très très bien. Alors ici, il faudrait que je mette ça et ça. Je sais pas, vous avez vu, mais ça a l'air d'être un peu l'épisode de la mort, cet épisode. Il a l'air vachement long. Alors, je verrai si peut-être que je devrais le couper en deux parties. Hein, parce que là, je vois pas trop comment faire. Alors maintenant, est-ce qu'on peut. Je peux craft un calculation processor. Je lui demande de démarrer. Et qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il me fait ce que je veux? Il ne le fait pas.
Il ne le fait pas. Bon. On continue le travail. Donc, hops. On va simplement mettre l'interface au-dessus. Ça là. 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 On peut sortir ici. Oui. Est-ce que mon calculation est toujours là? Non. Ouais, là, je suis plus, mon coco. Hein. Tu veux que je fasse quoi? À un moment, faut m'expliquer. Faut expliquer à Tojo comment ça marche. Hein. On va faire plus simple. Hop. On va tout écarter un peu. J'essaie de faire trop compact, je pense. Et ça n'a pas grand intérêt. Hops. Je vais faire une courte ellipse pour voir en combien de temps j'en suis. Et voir. Oh non, en fait, on s'en fout. J'étais en train de me dire, mais voir si je peux, si je vais faire une deux parties ou pas. Mais en fait, ça va pas changer grand chose. Ça ne va pas changer grand chose de toute façon au final. Je fasse deux parties ou une partie. Hein. Clairement. La galère sera toujours la même. Alors, ok. Là, on a relié le tout. On n'a plus qu'à regarder pour mettre cette interface là. Alors, je vais juste faire un petit truc, c'est que je vais crafter deux smart pour le visuel, pour voir mieux les choses. Un, deux. Tout simplement, c'est beaucoup plus pratique d'arriver à bien voir les câbles qu'on tire. Et là, je vois pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est caca. Coveret. Pourquoi c'est pas un smart cable? Fait deux fois le craft? Non, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Là, je sais ce que j'ai. Je sais que je n'ai pas tous mes devices qui sont pris là. Et donc, je sais que là, il y a un truc qui est fait. Le problème, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'il soit mis au-dessus. Next, next. Qu'est-ce que ça donne? Il me le met au milieu. Ok. Voyons si en mettant l'interface au-dessus, ça me donne quelque chose de mieux. Ah non, attends, il faut tourner l'interface de mémoire. Attendez. Est-ce que je peux juste mettre l'interface au-dessus? Je vais traîner deux secondes là-dessus et puis si je vois que ça marche pas. Ça sera pour le prochain épisode, tout simplement. Parce que là, c'est bien galère. Un peu trop à mon goût, même. Calculation processor. Donc là, ça marche. Ça ne m'aime même pas. D'accord, c'est normal. Hops. No crafting processor. CPU. Pourquoi? Ils sont tous occupés. Attends, annule et annule, voilà. Hop. Bon, bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Stock. La vidéo sera en deux parties, je pense. Hein. Là, il n'y a pas, pas photo. Je vais pas avoir le choix. Vu la taille, à mon avis, du bordel, on fera deux parties. Enfin, je verrai, mais. Mal comment je peux éviter les deux parties sur cette vidéo. Ok, alors ici je fais juste une silicone et également le deuxième truc que je dois faire, c'est de la redstone. J'en ai donc la redstone, se met là,
La silicone se met en dessous. Le craft se fait. Et on va y arriver, hein. On va y arriver, les amis. Ah, et donc, j'ai bien ma calculation processeur. Ok, bon, alors, pour les autres, c'est assez simple, il suffit de mettre le craft à la place de l'autre, là, ça va aller tout seul. Ça, cette partie-là est facile. Pour la dernière partie, attendez que je compte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, ça devrait le faire, je devrais pouvoir placer ceci. Alors, j'ai envie de le tester sous un autre angle que ce que j'avais imaginé. Donc, on va tester ça rapidement. Un ops. On va vite faire une MME interface. Stock. J'ai l'impression que ça me prend. Ça me fait, ça doit faire 40 minutes que je tourne, je pense. Tout va très bien. Tout va très très bien. Ops. Voilà. Là, il y a eu un creeper. Donc, comment on va régler ça? Non, d'accord, ça c'est bon. Est-ce que j'ai des flux? Non. Go, go, go. Hop. C'est quand même pratique, hein, ça. Il n'y a pas photo. Bon, est-ce que tu vas me laisser passer? On fait comment? On s'arrange, on... Là, ça va pas aller. Ça va pas aller. Hop. Et donc, je tac. Maintenant, il faut que je me mette ici. Que je dise que si j'ai du silicone... Bien sûr, j'en ai pas. Hop, allez, craft-moi un silicone, s'il te plaît. Allez, mon coco. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il faudrait que je regarde parce que là-dessus, c'est... il y a une petite erreur de ma part. C'est pas exactement les bons pourcentages, mais c'est pas très grave. Hop, un silicone là. Je le place là. Je place également une crafting carte. Tout simplement. Ici en dessous, dans mon CPU. Et je lui dis, craft-le-moi si j'en ai besoin. Est-ce que ça va marcher? Là, il n'y en a pas, donc tu es censé m'appeler le craft. Tu me l'appelles bien. J'ai oublié l'import bus. J'ai juste oublié l'import bus. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, il n'y a point d'S. Je ne suis pas chez nous, hein, mais c'est pas grave. En Belgique, il n'y a pas point. Ah si, on m'a dit qu'il y avait point S en Belgique aussi. Mais... Nous, on n'a pas eu droit à cette publicité. Ok, ça c'est parfait. C'est également parfait. Et donc là maintenant, est-ce qu'on est bon? On a notre truc qui s'est fait là. Et c'est magique! Regardez, si je retire ça, j'ai sûrement un silicone qui va apparaître ici rapidement. Non, pas rapidement, pas aussi rapidement que je pensais, tiens. Bon. Allez, hop. Oui, vous voyez, il y a quand même un silicone qui est venu. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va dire qu'on y est. Je pense que là, on a fait une grosse avancée dans tout ce qui est applied energy stick, comment automatiser tout. Là, on a presque automatisé tout ce qu'il fallait. J'ai plus qu'à réussir à faire des covers pour cacher un peu tout ça. Essayer de, au cas où, prendre les câbles et mettre un peu... Non, on va les laisser comme ça. Et il n'y a plus qu'à tester tout.
Oui, finir les trucs pour le truc en diamant et le truc là ici. Et ce sera bon. La vidéo a assez duré. Je suis désolé de sa longueur et je pense qu'elle va, elle est très, très trop longue. Mais je verrai si je vous la mets en un ou deux morceaux en fonction de ce qui est possible de faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de vous faire cette petite vidéo. À très, très bientôt. Et ben, n'hésitez pas à dire si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce vert, un pouce rouge, tout ça. Non, pas un pouce rouge, à mettre un commentaire, tout ça. Allez, salut, salut, bye bye.